Mon nom est Perlonde Bamoro, je suis scientifique. Je travaille sur la virologie et la biotechnologie végétale. Les virus des plantes sont des pathogènes des cultures qui occasionnent des pertes économiques importantes aux producteurs. Les travaux de Kader Bamogo consistent en l'exploitation de ces ennemis des agriculteurs pour produire des médicaments. Les virus sont alors transformés en puissantes machines de fabrication de médicaments. À partir des feuilles malades prises au champ, le chercheur extrait le virus pour l'étudier dans son laboratoire. Cela passe par la reproduction de la maladie sur une plante de tabac. Le virus est transmis à la plante par de légers frottements à la surface de la feuille. Cela crée des micro-lésions par lesquelles le virus passe dans la plante. La plante contaminée ensuite est suivie pour la caractérisation biologique du pathogène. La première plante que vous voyez qui est bien verte et qui porte des fruits, c'est la plante contrôle. C'est une plante qu'on n'a pas inoculée avec le virus. Donc vous voyez la plante qui nous sert à étudier le virus. Quand il n'y a pas le virus, normalement il se présente ainsi. Maintenant vous voyez là, de nos deux échantillons qu'on a extraits au champ, on a réussi à avoir deux virus qui se comportent différemment. Le premier virus, vous pouvez observer. Il a la croissance de la plante saine, mais vous observez qu'il y a ce que nous, on appelle en virologie les chloroses. C'est la couleur jaune que vous voyez là. Cette chose virale-là cause le jaunissement de feuilles, même si elle n'impacte pas en fait le développement de la plante. Et le deuxième type de virus qu'on a trouvé après l'étude, c'est celui-là. Vous pouvez constater que cette plante, non seulement les feuilles sont incurvées, mais en plus de ça, la plante reste rabougrie. Et il y a aussi des chloroses. Vous voyez que ce virus-là, il a été hyper foudroyant et a impacté énormément la santé de la plante. Ce qui signifie ici que ce virus, il est très, très agressif. Et ce que je dois vous préciser aussi, c'est qu'au cours de l'observation, ce virus-là a présenté les symptômes rapidement. 7 jours après, on voyait les symptômes. Cela signifie qu'il a un fort potentiel de multiplication et que nous avons un intérêt à étudier ce virus-là dans le sens d'en faire un outil. Parce que l'outil pour nous, en tant que virus ici, c'est de l'utiliser comme une photocopieuse. À cause de sa capacité à se multiplier beaucoup, nous on l'utilise comme une photocopieuse à qui on met une copie du gène qui nous intéresse et on lui dit « sors-nous 1000 copies ». Donc ce virus qui se multiplie bien, qui laisse apparaître les symptômes rapidement, et qui a cet impact-là sur la plante, peut nous intéresser pour la suite. Une fois la modification de virus candidat réalisée, le chercheur, à l'aide de la bactérie Agrobacterium, peut renvoyer le virus modifié dans la plante pour la production des médicaments. Dès le début de mes études universitaires, j'ai eu un amour pour la science des plantes et aussi pour le génie génétique. Et c'est ces deux sciences-là qui, mis ensemble, permettent l'exploitation des virus de plantes et aussi des plantes à côté pour produire des médicaments à moindre coût et à grande quantité. Et ce travail me plaît d'autant plus que là, je me retrouve à exploiter des ennemis des agriculteurs, c'est-à-dire les virus, qui causent des dommages économiques importants, pour en fait les amener à travailler et nous fabriquer des médicaments. Donc, je me retrouve à utiliser des ennemis de l'homme pour produire des médicaments pour l'homme. Et ça, c'est l'une des choses aussi qui me motive dans ce travail-là.